chers compatriotes, aujourd'hui la France. L'association Solidarité. Les crimes organisés. Et qui comme nous, à nos affres combattus. Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles à VHT et à RCFM pour suivre comme chaque semaine ce contraste élaboré en collaboration avec Corse Matin. Si le débat présidentiel a longtemps été perturbé par les affaires, il est un thème que les candidats ne peuvent occulter, c'est celui du social, parce que la crise est là, que le taux de chômage ne recule pas et que quel que soit le futur locataire de l'Élysée, c'est en priorité sur ce dossier qu'il devra traiter et sur lequel il sera jugé. Pour parler de cette situation économique et des problèmes sociaux de la Corse qui sont une déclinaison de ceux qui existent ailleurs, nous recevons aujourd'hui un syndicaliste, secrétaire régional de la CFDT Corse, Louis Ducreux. Louis Ducreux, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Alors, merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes à la tête du syndicat depuis octobre 2014, un syndicat qui, au plan national, est devenu le premier dans le secteur privé. Il devance en effet pour la première fois la CGT suite aux élections dans les TPE. Alors, pour évoquer l'ensemble des problématiques sociales, Roger Antège de Corse Matin et Patrick Winschiger de RCFM. Messieurs, bonsoir. Vous interrogeront durant cette petite heure. Mais d'abord, l'actualité avec ce débat sur la précarité. C'était il y a une semaine à l'Assemblée territoriale, un débat qui se doublait de l'examen d'un autre rapport, celui concernant l'aide au transport pour les retraités sous conditions de ressources. Alors les syndicats CGT, FO, FSU s'étaient rassemblés devant les grilles de l'Assemblée. Ils contestaient le périmètre d'attribution de cette aide. Ils voulaient l'élargir. STC et CFDT, vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas aller au-delà de ces mesures. Il ne faut pas que tout le monde en bénéficie. Vous avez raison. Le périmètre donné est particulièrement insuffisant parce qu'il ne doit pas s'arrêter aux retraités, il doit s'arrêter à toute personne ayant des difficultés et étant dans la précarité. Ça ne doit pas s'arrêter aussi au transport maritime et aérien. On doit aussi arriver à donner des gratuités et des tarifs intéressants pour les précaires, que ce soit dans les transports urbains, sur le train, et voilà, dans toutes ces demandes. C'est des propositions que nous avons faites aussi. Et pourquoi vous ne manifestiez pas, vous aussi, alors ? Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout mettre et tout mélanger. À un moment, il faut être clair. Quand les syndicats, nous étions dans un premier temps avec la CGT, avec FO et d'autres syndicats, nous nous sommes retirés parce qu'il nous semblait opportun de montrer que la gratuité telle qu'elle est demandée et tout mettre dans le même panier, on ne peut pas. Il faut quand même différencier. C'est vrai que les retraités, il y a beaucoup de retraités sur notre île. Souvent, ils sont dans des minima sociaux, mais il y a aussi des retraités qui arrivent à vivre relativement bien. On ne parle pas de gratuité, là, on parle d'une réduction de 50% hein, sur le tarif des transports. Et ce qui est en cause, c'est le niveau, le seuil pour déclencher cette aide. Or, certains estiment qu'il est trop bas. Vous pensez qu'il est correct ? Écoutez, nous avons des syndicats, un syndicat retraité, un syndicat régional retraité. Ils en ont débattu. Ils nous en ont fait part aussi à l'Union régionale. Je pense que la position de ces syndicats est tout à fait intéressante. On ne peut pas demander n'importe quoi. Il faut être aussi de temps en temps responsable. Pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, mais ça ne sert à rien que tout le monde bénéficie des trucs. Il vaut mieux donner aux gens qui en ont le plus besoin. En sachant aussi mais que... Le niveau est si faible qu'on a le sentiment que ces gens-là n'en profiteront pas parce qu'ils ne voyagent pas. Ce n'est pas forcément eux qui vont aller sur le continent. Pas forcément ces retraités-là qui vont voyager, qui vont prendre l'avion. Il se peut qu'ils prennent l'avion et aussi. Et que cette enveloppe, du coup, ne soit pas utilisée. Si elle n'est pas utilisée, j'espère que la collectivité nous fera passer des bilans de ces actions et puis on pourra ajuster le moment venu. Alors, deuxième débat important, c'était celui sur la précarité. Le rapport a été adopté après amendement, à l'unanimité, moins une voix. Alors, il s'agit du traitement social essentiellement avec un certain nombre de mesures indispensables, évidemment. Mais in fine, est-ce que ce n'est pas encore et toujours une certaine forme d'impuissance face au mal qu'est le chômage ? C'est indispensable, mais ça ne résout rien sur le fond. Vous avez raison en parlant du chômage, mais la précarité...
comme vous l'avez fait remarquer il y a un moment, la précarité, c'est les retraités aussi. Ce sont des gens qui ne sont pas les femmes, les familles monoparentales, qui peuvent souvent ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des enfants. Il y a tout ça. Mais la précarité, nous à la CFDT, ça fait très longtemps que nous sommes. Que nous nous battons. Aujourd'hui, les politiques ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait en débattre aussi. La précarité, vous savez, nous en avons discuté longtemps au CESC, nous avons nos représentants au CESC, et je tiens à remercier nos deux représentants, Conseil économique et social et culturel, qui ont fait des propositions, qui ont travaillé, avec le docteur Pernin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une personne vraiment remarquable, et la CFDT tient à la remercier pour son action, pour son travail et ses propositions. – Vous parlez beaucoup de précarité, on en débat au sein du syndicat, on en débat au Conseil économique et social, on en débat à l'Assemblée, mais quelles mesures efficaces peut-on prendre par rapport à un phénomène dont on sait la prégnance sur la population en Corse? Quelles mesures ? Les mesures, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises, hein, puisqu'il y a un deuxième volet précarité qui a été donné, c'est favoriser les acteurs de réseaux sociaux avec des temps de rencontre pour pouvoir aller au plus près de ces gens qui sont dans la précarité. Un axe en faveur des personnes âgées, comme nous le faisons remarquer aussi, et des centres de domicile fixes. Parce que nous avons aussi en Corse des centres de domicile fixes, en allant vers des structures d'accueil qui puissent les accueillir beaucoup plus longtemps. Alors, parmi les propositions de ce rapport, il y en a une qui consiste, après examen par une commission spécialisée, en collaboration avec les différents services territoriaux, ceux de l'État, etc., et même en allant voir les expériences qui ont lieu ailleurs, c'est la mise en place de ce fameux revenu universel. Est-ce que c'est une bonne chose ou alors une utopie, voire une certaine forme d'assistanat pour vous? Là, nous tombons dans le débat de la présidentielle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait que chacun puisse avoir un revenu décent, que chacun puisse avoir, c'est surtout au-delà du revenu décent, c'est avoir aussi un emploi. Parce que c'est surtout ça, parce que le revenu, il faut aussi donner des emplois. Il faut travailler là-dessus, sur ces leviers-là de l'emploi. – Mais le principe… – voilà. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne, ce revenu universel, qu'on l'envisage au niveau territorial ou national, et c'est dans le débat présidentiel qu'on venait de le dire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose parce qu'il est attribué, non, c'est plus une aide à côté du travail, c'est parfois aussi une aide pour ceux, un revenu pour ceux qui n'ont pas de travail précisément. Alors, vous vous dites priorité à un emploi et faisons en sorte que l'emploi soit justement rémunéré pour donner un pouvoir d'achat suffisant aux salariés. Ou est-ce que vous pensez que c'est une mesure utile, par exemple, donner aujourd'hui Benoît Hamon notamment dans la présidentielle dit c'est 400-450 euros pour les jeunes de 18 à 25 ans, pour d'autres catégories. À partir de quel moment c'est une mesure intéressante selon vous? C'est une mesure intéressante du moment où on arrive à ce que les personnes puissent puissent vivre décemment. Vous parlez de revenus décents, il y a quelque chose qui est un précurseur, c'est le RSA. Mais voilà. Le RSA, aujourd'hui, on parle du RSA comme une mesure donnée à des gens qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas... Le RSA ne concerne pas tout le monde. Il ne concerne pas tout le monde. Mais le RSA... C'est en fonction de l'âge, hein, déjà. Oui, il y a ça. Mais il est donné aussi en fonction... Aussi, il y a des salariés qui en bénéficient. Il y a des salariés, des indépendants, des artisans qui en bénéficient aujourd'hui. Louis Ducreux, pour rester sur l'emploi, l'Assemblée de Corse a également adopté la semaine dernière en session à une courte majorité le rapport intitulé Page, Ridorno et Liberta, dont l'objet est la réinsertion sociale des prisonniers politiques à leur retour. Qu'en pense le syndicaliste de cette discrimination positive? Les gens qui sortent, les détenus
qui sortent de prison, donc qui sont libérés, il faut les réinsérer, ces gens-là. Moi, je pense que ça devrait aller au-delà, ça devrait être pour l'ensemble des détenus, voilà, pour qu'ils puissent, parce que si un détenu arrive, bon, on ne va pas lui verser le RSA, il faut faire en sorte qu'il trouve un emploi, de l'insérer dans le monde du travail. Il y a par le biais de formation, par le biais de ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça devrait être l'ensemble des... – Mais il est plus logique que, selon vous, selon le syndicaliste, d'aider davantage un prisonnier de retour qu'un chômeur de longue durée, Bac plus 5, ou un jeune sans qualification ?– Vous savez, le souci, c'est que nous sommes dans une société où les jeunes, il faut les aider, parce que c'est les jeunes qui sont les plus touchés par le chômage. Hein. C'est les statistiques qui le disent. Je ne vais pas vous donner des statistiques, parce que sinon... – On va les rappeler. – ça serait peut-être ennuyeux. Et après, les personnes, les seniors, et les femmes. – Alors justement, sur la situation du chômage en Corse, un bref rappel avec les chiffres du mois de février. On comptait en Corse 22 420 chômeurs dans l'île, une hausse de 1,3% sur 3 mois et 0,3% sur 1 an. On est évidemment très loin de l'inversion de la courbe du chômage. Alors on ne va pas vous demander vos solutions, Louis Ducrux, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à ce taux de chômage qui est structurel, un problème de choix de développement ?– Vous savez, au niveau des partenaires sociaux, la CFDT en particulier, travaille là-dessus, fait des propositions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, pour essayer de faire en sorte que chaque demandeur d'emploi puisse trouver une place, que ce soit par le biais d'une remise à niveau de la formation. Aujourd'hui, nous dépensons quand même beaucoup d'argent là-dessus. Je crois que, de mémoire, la région, elle est à 12 ou 13 millions d'euros pour les demandeurs d'emploi. Les partenaires sociaux, ils sont à 4,5 pour les demandeurs d'emploi, 20 pour les salariés, hein, pour la formation des salariés. Donc, c'est travailler là. C'est vrai que dans une île comme la nôtre, avec une faiblesse démographique, la faiblesse démographique que nous avons, on pourrait peut-être faire du sur-mesure. On a peut-être les moyens de faire ça. On sollicite nos partenaires qui sont... – Mais pourquoi on ne le fait pas alors ?– Je pense que c'est un manque d'initiative et peut-être que... – Un manque d'initiative de qui ?– D'initiative, ben, la formation des demandeurs d'emploi, c'est la région. Même si dans certains domaines, comme vous avez rappelé, sur la précarité, sur, on pourrait parler des transports, sur la langue, ils sont là, ils essayent même le développement économique. Puisque vous... Sur la formation, ils ont l'air un peu plus timorés. J'essaie d'être gentil. – Est-ce qu'il n'y a pas un problème là sur cette formation? Est-ce qu'elle est véritablement en adéquation avec les besoins? Les patrons se plaignent en disant que ben, la formation ne correspond pas à ce qu'ils recherchent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fond là ? Ben, je pense que dans un premier temps, c'est de discuter, et c'est ce que nous faisons, les partenaires sociaux, hein, avec à la fois l'État et la région, pour dire qu'il faut faire du sur-mesure. Aujourd'hui, vous êtes contributeur au plan régional de formation ? C'est-à-dire que vous apportez vos solutions ? On fait des propositions parce que, comme vous le savez, depuis la modernisation de la loi de travail, enfin, ont été créés les CREFOP et les COPAREF. Ce sont des organismes. Le CREFOP, c'est un organisme régional emploi, formation et orientation professionnelle. C'est du quadripartisme, c'est-à-dire qu'il y a l'État, la région et les partenaires sociaux. On nous compte pour deux. Est-ce que vous diriez qu'il y a suffisamment de moyens financiers sur la formation professionnelle et la formation des chômeurs en particulier, mais qu'il est mal employé cet argent-là? Ou est-ce qu'il en faut d'autres? Je
pense qu'il est sous-employé, peut-être pas mal employé, qu'il est sous-employé, peut-être qu'on n'arrive pas à cibler ce qu'il faut. Peut-être que nous autres partenaires sociaux n'arrivons pas à donner les orientations voulues ou les propositions voulues. Nous essayons de le faire, mais peut-être que ça ne rentre pas dans les politiques régionales. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a un déficit de dialogue là-dessus. Et pour revenir à la question de Jean Vitus, est-ce que la formation aujourd'hui est adaptée à la demande ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il y a eu, au printemps dernier, les formations supplémentaires, le plan 500 000 formations, entrées en formation supplémentaire. Mais restons au niveau de la Corse. La Corse en a eu une partie. Nous, et moi, partenaire social, CFDT, j'ai dit il faut aller vers l'emploi. On ne va pas faire des formations pour de l'occupationnel, il faut aller vers l'emploi. L'emploi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le bâtiment, c'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est les services, c'est ça ? C'est ces secteurs-là qu'il faut cibler ? Aujourd'hui, on va au-delà, parce que les orientations gouvernementales de l'État, président de la République, parlaient de transition numérique et énergétique. Je pense qu'on est passé à côté ici en Corse. Puisque quand vous discutez avec les partenaires sociaux, avec les employeurs, ils vous disent on n'a pas de formation dans le numérique, on n'a pas ci, on n'a pas. Aujourd'hui, on fait remonter ça, mais on a peut-être un temps de latence qui fait que pour arriver à faire des formations. Si on prend les. En un mot, nous ne sommes pas réactifs. Écoutez, le temps de latence, c'est plus qu'un temps de latence maintenant. C'est un temps de retard. Parce que, en particulier sur les emplois verts, sur les emplois environnement, je pense que Nicolas Sarkozy, dans sa campagne de 2012, en parlait dans un meeting à Ajaccio. Bon, il n'y a rien qui a été. Voilà. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Quoi. Après, les problématiques. Des candidats. Non, mais là, ils ciblaient pour un potentiel d'emploi dans l'île. Le bâtiment était concerné par des nouvelles normes et autres, mais on ne voit rien venir, c'est ce que vous dites. Vous avez raison. On n'a peut-être pas l'appareil de formation qui répond assez ou suffisamment rapidement à ces demandes. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est, dans un premier temps, puisqu'on parle formation, c'est que. De faire en sorte que les formateurs, ben, ce soient les premiers à aller vers la formation et à se former. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les métiers changent, les techniques changent. On ne peut pas, il faut que les formateurs, il faut un plan de formation des formateurs. Monsieur Angelini, il avait dit lors du schéma régional CR2I, enfin, excusez-moi pour les sigles, innovation et internationalisation, il avait dit un plan de formation des formateurs. On doit passer par là. Aujourd'hui, on a du retard là-dessus. Louis Ducreux, un mot sur l'emploi public. Il y a actuellement un sujet de préoccupation syndicale, c'est la création de la future collectivité unique au 1er janvier 2018. Donc ça approche. C'est donc la fusion des trois collectivités, au total 5000 agents. Où en est-on des discussions? Est-ce que les peurs initiales se sont apaisées? Au départ, enfin, vous le savez, puisque on vous avait invité à des conférences de presse en 2014 déjà, quand on parlait de collectivité unique. La CFDT disait à ce moment-là, lors d'une conférence de presse, que la CFDT était pour une collectivité unique. Mais la collectivité unique, si ça permettrait le développement de notre région, si les agents, les organisations syndicales étaient associés, de ne pas laisser les organisations syndicales à l'extérieur du processus. Le législateur a fait, ça a pris du retard à un moment, puisque comme vous le savez, à un moment, il y a eu une collectivité qui espérait, enfin un président de conseil départemental qui espérait autre chose. D'accord. Sud pour le citer. Oui, mais je ne voulais pas le citer. Ce serait reconnu. Pas secret non plus. Là, aujourd'hui, ça avance. Il y a des discussions. Peut-être pas aussi rapidement que nous, CFDT, nous aimerions avoir. Parce que nous, ce que nous voulons au niveau de la CFDT, c'est des engagements forts de la part des politiques.
faire en sorte qu'il y ait, que tous les territoires soient, aient des services publics de qualité. Mais au niveau des agents, une des peurs, c'était la mobilité. Est-ce que sur ce point, on a avancé ? Il y a des... Là, nous avons avancé. Il n'y aura pas de mobilité forcée, peut-être pour certains cadres, parce que ma foi, de temps en temps... – on avait dit qu'on s'alignerait également sur le mieux-disant en matière de statut social. Ça s'est fait aussi ?– Ça se fait, nous avons des discussions. – Tout va bien, quoi, pas de mobilité ?– Non, il n'y a pas de tout va bien, voilà. Non, puisqu'il y a des discussions. Aujourd'hui, on est en phase de discussion. Nous remarquons qu'aujourd'hui, certaines collectivités ont mis des moyens pour faciliter le dialogue social, pour faire en sorte qu'on avance. Je pense qu'aujourd'hui, nous avançons, même si au 1er janvier 2018, rien ne sera parfait, mais les craintes des salaires des agents, je pense qu'on sera quand même rémunéré ce jour-là. Concernant, j'ai dit nous serons rémunérés, je fais partie de la fonction publique territoriale. – Bon, l'essentiel sera fait, quoi. – Il n'y aura pas de soucis sur tout ce qui est aide sociale, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la précarité. Ça sera fait. Maintenant, il y aura quand même, on continuera à travailler et ça prendra un temps certain ou un certain temps pour qu'on puisse arriver à avoir une collectivité parfaite. – Alors, venons-en au rôle et à l'action des syndicats. Je le disais en début d'émission, la CFDT est devenue le premier syndicat de France dans le secteur privé en obtenant 26,3% des voix devant la CGT qui est à 24,8%. Encore, c'est tout autre chose, c'est le STC qui obtient la majorité absolue des suffrages, 50,9%. Très loin devant la CGT, FO et la CFDT qui, elle, plafonne à 5%. Alors, cette victoire au plan national, est-ce que ça valide, selon vous, un syndicalisme réformiste de participation ou alors c'est un peu plus compliqué que ça ? Non, tout simplement, c'est que les salariés ont fait confiance à la CFDT parce que les salariés, tout simplement, participent aux discussions, participent dans les organisations syndicales, dans l'organisation syndicale comme la CFDT. Il y a les rencontres avec les militants. Les projets ne sont pas des projets qui sont décidés en haut, ils sont décidés en congrès ou en assemblée générale. Donc aujourd'hui, je pense que la première place, ça valide le travail fait par la CFDT. – Et c'est aussi parce que vous avez une position plus modérée dans les conflits sociaux, vous êtes plus pour la participation plutôt que pour la confrontation ?– On n'est pas plus modéré. Vous avez quand même approuvé une partie de la loi El Khomri, ce que refusaient la CGT et FO, par exemple. Vous revendiquez le réformisme, c'est clair. On revendique le réformisme. Et on est là et on va discuter avec les partenaires sociaux, avec le gouvernement. On va discuter. C'est très simple, sur la loi travail, on nous a donné un pavé comme ça. La CFDT a fait des observations et des propositions. – Il y a défendu cette loi, notamment la version des normes. Vous avez défendu cette loi. – Les propositions ont été retenues par le gouvernement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. On ne peut pas, quand on approuve ou on nous donne, ma foi, ce qu'on demande, on ne peut pas être dans la rue. – J'entends bien, mais pourquoi ce qui a marché au niveau national ne marche pas en Corse? Vous arrivez en quatrième position avec seulement 5%. Est-ce que c'est votre positionnement, un peu trop proche du STC qui vous nuit ? On n'est pas proche du STC. Si on était proche du STC... Quand même, vous partagez beaucoup de Non, tout de simplement, on peut, tout simplement ben, vous êtes là depuis quelques années sur la Corse. Vous connaissez la CFDT depuis assez longtemps. Vous connaissez les propositions de la CFDT. La CFDT, ça a été peut-être le premier syndicat en 1974, lors de sa création en Corse, à réclamer la corsisation des emplois. – Comme le STC non, vous disiez que vous n'aviez pas les mêmes positions. – Non, mais ce n'est pas comme le STC. – C'était antérieur, c'était précurseur. – On était avant le STC. – Le STC n'existait pas encore. – Le STC est arrivé 10 ans après. Nous, la corsisation des emplois, c'était
l'époque de vivre et travailler au pays, tout simplement. Hein. C'était quelque chose, une déclinaison nationale qu'on voulait. Donc c'était les Corses d'origine et les Corses d'adoption, bien sûr. Les gens qui étaient sur la Corse étaient prioritaires aujourd'hui. – Vous avez été précurseur aussi sur la comité de destin, donc. Peut-être. Alors, nous allons parler de la présidentielle un peu plus tard, mais juste sur vos positions. Par exemple, aujourd'hui, il y a un débat sur les 35 heures dans un certain nombre de programmes des candidats à la présidentielle. Certains veulent passer à 39, payés on ne sait combien, mais en tout cas pas 39. D'autres veulent passer aux 32 heures. La position du syndicat là-dessus, le temps de travail, on change la loi, on diminue, on augmente? Nous, il y a des constantes comme ça, qu'on ne bouge pas. C'est les 35 heures, c'est la durée légale du travail. Il ne faut pas y toucher. Ça a été repris dans la loi travail. C'est les 35 heures, point barre, c'est 35 heures, payer 35 heures. Et la loi, travail instaure aussi la primauté des accords d'entreprise, donc éventuellement les entreprises peuvent aller au-delà des 35 heures. Peuvent aller, mais il y a toujours l'organisation syndicale et les organisations syndicales, c'est les accords majoritaires. Ce n'est pas l'entreprise et le chef d'entreprise qui fait n'importe quoi. Parce que si ce n'est pas validé, eh ben c'est le code du travail qui prévoit. Oui, Ducru, il y a quand même un secteur où vous êtes d'ailleurs bien représenté, c'est celui de la santé, où les 35 heures ont posé d'énormes difficultés. Est-ce que là, il ne faut pas revoir les choses? Non. Non, il ne faut pas revoir les choses, tout simplement. Il faut donner les moyens. Mais ils ne peuvent pas récupérer les heures supplémentaires, ils ne sont pas payés. Il faut peut-être mettre plus de personnel parce qu'on est dans un système où les gens ont besoin de se soigner. Tiens, ben, vous le savez si très bien. Si on entre dans le particulier précisément sur la santé, on pourrait peut-être parler des hôpitaux. À Ajaccio et à Bastia. Et le débat aujourd'hui sur Ajaccio, qui est un hôpital qui est chroniquement déficitaire, c'est précisément de stopper tout ce qui est recrutement et alourdissement de la masse salariale. Donc vous n'êtes pas sur ce discours-là? Non, on n'est pas sur ce discours-là. Les hôpitaux publics ont un souci de financement. Aujourd'hui, il leur est appliqué certains quotients. Nous, on dit que ça ne suffit pas pour la Corse. Nous avons des effets de seuil et il faut pouvoir y remédier. C'est pour ça que le coefficient géographique, pour nous, ce n'est pas l'idéal. Parce que le coefficient géographique, même s'il faut qu'il soit appliqué, ça va aussi au privé. De tiers en tiers, je pense que les moyens publics doivent aller d'abord au public. Donc il n'y a pas trop de salariés à l'hôpital d'Ajaccio? Il n'y a pas plus de salariés qu'ailleurs, non. Il faut. Quand vous allez aux urgences, vous attendez quoi? Vous attendez quand même. Peut-être une répartition. Autre vers les soignants, peut-être. C'est peut-être là qu'il y a des problèmes. Vous savez, à l'hôpital d'Ajaccio, pour avoir rencontré aussi des gens, puis nous avons aussi. Vous avez fait un article, M. Antèche, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Corse Matin. Notre délégué syndical, Nanette Bruni, vous a bien expliqué et vous dira que dans la communauté hospitalière, ben, y a tout le monde. Quand vous demandez à un cuisinier, il n'est pas à part, il fait partie de la communauté, de la communauté hospitalière. Il contribue au bien-être du malade. Donc c'est un tout l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital d'Ajaccio, on pourrait, si vous voulez, on peut en discuter, mais c'est des mauvais choix qui ont été faits. On n'a pas pris en compte peut-être la population à venir. Bon, je ne vais pas vous refaire l'article. Voilà. Il y a un autre sujet, parce qu'on va aborder la deuxième partie de l'émission dans une minute, qui revient dans les programmes des candidats toujours présidentiels, de gauche, d'extrême droite, c'est celui des travailleurs détachés. Il y en a un certain nombre en Corse. Alors certains hurlent à la concurrence déloyale, l'autre s'en servent abondamment. La position de votre syndicat sur ces travailleurs détachés, il faut arrêter, il faut supprimer? Non. Non, les travailleurs détachés sont des gens qui viennent travailler. Le problème des travailleurs détachés, c'est le détachement illégal. C'est le détachement illégal qui est là. C'est-à-dire que il y a peut-être des officines d'ailleurs de temps en temps. Il y a une directive qui autorise ces détachés. Il y a des directives qui autorisent ces détachements. Alors, qu'est-ce qui est illégal lorsqu'ils viennent? Il y a des gens qui détournent le système pour faire ça. Aujourd'hui, la CFDT rencontre au niveau européen
les syndicats polonais, pour travailler là, parce qu'ils sont aussi embêtés que les syndicats français sur ce détachement des salariés. Et on essaie de travailler ensemble dans le cadre de la... – Mais l'illégalité, où est-ce que vous la situez? C'est-à-dire, on ne comprend pas bien. Ben, il y a des règles, c'est quand même encadré. Ben, – il y a des gens qui arrivent, enfin, si nous avions... Si c'était il y a quelques années, vous aviez Gérard Montreuil, qui est inspecteur du travail, vous aurez expliqué ça d'une façon beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent à travers les mailles de la légalité. Ils ne répondent pas à la législation actuelle. Ils la détournent. D'ailleurs, il y a des amendes pour ça qui sont... Je pense assez dissuasif quand on arrive à les attraper. Mais sur le principe, le fait qu'ils paient des cotisations sociales dans leur pays d'origine, est-ce que ça, vous l'admettez? Parce qu'évidemment, ça peut faire une concurrence des lois. Certains parlent de dumping social, tout simplement. Vous savez, on tire vers le bas. On a parce qu'on ne peut pas supprimer les travailleurs détachés, parce que la France aussi a des travailleurs détachés, les gens qui sont les frontaliers qui vont travailler en Allemagne ou au Luxembourg. C'est pas le même statut, hein. C'est pas la même chose. Non, c'est peut-être pas la même chose, mais... C'est 300 000 Français, la philosophie est la même, à la limite. Eh bien, nous arrivons en deuxième partie de notre émission et au Contrabund, où c'est Serge Santounion, vice-président du MEDEF, qui va donc venir sur ce plateau débattre avec vous. Serge Santounion, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je sais que votre emploi du temps est très contraint. Alors, vous avez 10 minutes pour interroger notre invité. Donc, je vais éviter de perdre du temps. Bonjour, monsieur Ducreux. Bonjour, cher partenaire social, je suis heureux de vous entendre dire tout au long de votre intervention que nous sommes des partenaires, et c'est comme ça que je ressens notre relation et que le MEDEF essaie de structurer pour avoir cette relation, et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut construire. Alors, je vais éviter de perdre du temps pour reprendre vos propos. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, compte tenu de la dette de la France, de 1 200 milliards, c'est des chiffres qui sont tellement impressionnants que moi, ça me donne le vertige. 57% du PIB sont dépensés par la dépense publique, quand on sait qu'à côté de ça, 49% dans la moyenne européenne. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, urgent, indispensable et responsable, pour reprendre vos mots, et j'ai apprécié le terme de responsable, d'inverser la vapeur et de réformer ce pays? Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour notre avenir, ceux de nos salariés d'aujourd'hui, mais je me préoccupe aussi des salariés de demain, comme vous, notre jeunesse, est-ce qu'il n'est pas urgent de réformer ce pays? Et est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas arrêter de rester dans une situation dogmatique, opposer toujours la sempiternelle rengaine, le patron contre le salarié? Et je sais, vous connaissant, que vous n'êtes pas dans ce registre. Voilà. Est-ce que nous devons tous ensemble pas prendre nos responsabilités et réformer ce pays? C'est ma première question, avant de revenir peut-être après, sur, si on a le temps, sur une problématique plus régionale. Comme vous le savez, merci d'être là. Et puis, merci. C'est vrai que un pays, ça doit évoluer, ça bouge. La CFDT fait bouger les lignes. Vous le savez, on en discute assez souvent, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, on essaie de faire. Mais toujours est-il qu'il y a des... Quand on parle de la dépense publique, il y a quand même des endroits où la dépense publique ne peut pas faire autrement que d'être dépense publique. Je parle de la santé, de l'éducation, de la défense. Ça, c'est... Après, pour le reste, c'est vrai que nous en discutons assez souvent. Puis la CFDT, avec les organisations patronales, discute aussi avec les organisations syndicales. Nous discutons souvent. Et ça s'appelle le dialogue social, tout simplement. Nous, à la CFDT, on n'a pas de dogme. On n'a pas de dogme. On a des principes. On a des valeurs. Voilà. C'est vrai que sur les paroles, on est toujours pétri de bonnes intentions. Moi, la difficulté, je vais le ramener peut-être au niveau régional, puisque là, on était sur un point de vue national, et je pense qu'on ne peut pas éluder, bien évidemment, en Corse, la problématique nationale, parce qu'économiquement, que serions-nous si on ne raisonnait pas sur un plan national, plus européen, plus mondial?
Donc je pense que aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être faire, justement, pour passer de la parole aux actes, c'est que nous, partenaires sociaux, on mette un peu plus de pression, et sans vouloir dépasser notre rôle, hein, sans vouloir être autre chose que ce que nous sommes, des partenaires. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas que, dans le cadre de la formation, puisque vous en avez parlé avec les journalistes tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas que la Corse sorte enfin de la discussion et passe à l'action en mettant en place des expérimentations sur la formation professionnelle? Parce que la loi Rebsamen, comme vous en avez parlé tout à l'heure, de 2015, va aboutir et va être concrétisée en juillet 2017. Donc à partir de juillet 2017, la région aura entière responsabilité, l'État a transféré la responsabilité, de l'emploi et de la formation. Je sais que l'on contribue par le biais du CREFOP et du COPAREF dont vous avez parlé, mais maintenant, je pense qu'il faut encore une fois, et j'insiste, passer de la parole aux actes. Donc il faut faire bouger les lignes, expérimenter quelque chose en Corse, puisqu'on a la chance, et moi je trouve que c'est une chance d'être sur une île, en plus magnifique. Alors prenons nos responsabilités, expliquons comment on voit les choses, et qu'on ne fasse plus la formation de l'économie d'il y a 20 ans, et qu'on regarde droit devant, et qu'on fasse la formation de l'économie de dans 50 ans. Voilà. Est-ce que vous nous rejoignez sur cette intention-là? Là, vous le savez très bien que nous travaillons en tant que partenaire social. Nous sommes des partenaires sociaux. Nous travaillons, comme vous venez de le dire, et nous échangeons souvent. Et puis, toutes les semaines, nous nous voyons par le biais de commissions emploi-formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la Corse, on aurait les moyens de faire quelque chose. On a les moyens. Aujourd'hui encore, le fonds paritaire nous attribue une enveloppe pour le compte personnel formation de 544 000 euros. J'espère qu'on va les dépenser utilement, qu'on va pouvoir faire quelque chose là-dessus. On se bat, nous nous battons ensemble, partenaires sociaux, nous nous battons ensemble pour essayer de tirer la formation. On avait essayé dès 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Quand le fonds paritaire nous avait donné à l'époque pour le compte personnel formation, le CPF, 450 000 euros, que la région avait refusé. Il ne savait pas le mettre en marche. Mais vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, on arrive à avoir ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les CPF, et en plus, là-dessus, sur le compte personnel de formation, les comptes personnels de formation, les formations qui sont mises là, c'est nous, partenaires sociaux, qui pouvons les valider. Valider pour que ça rentre dans ce cadre-là. Alors, si on arrive à travailler avec... Je laisse toujours l'État... parmi les partenaires, parce que c'est du clartépartisme, si on arrive à faire en sorte de travailler ensemble, de mettre à niveau les organismes de formation, de pouvoir discuter avec vous, patronat, pour dire que voulez-vous, quels sont vos besoins dans les entreprises. Mais quand on vous demande à vous, vous demandez aussi à nos salariés qui sont dans vos entreprises ce dont on a besoin. On les a exprimés, nos besoins. Moi, ce que j'ai l'impression aujourd'hui, et je fais le procès de personne, je m'inquiète aujourd'hui, est-ce que la région, et encore une fois, je ne suis pas là, je suis juste là pour faire progresser les choses et essayer très humblement de les faire avancer. Je pense qu'il est urgent que les gens de la région, les gens responsables de la formation, prennent vraiment la température de l'urgence qui va s'avérer incontournable. Il va bien falloir qu'on prenne en main notre avenir par le biais d'une expérimentation, quelle qu'elle soit, pour mettre en place une formation originale, faute de quoi on va se retrouver à devoir faire le constat que l'on fait aujourd'hui. C'est un chômage qui était à 8% en 2007, qui flirte avec les 11% aujourd'hui. Des emplois non pourvus en quantité astronomique, parce que quand nous, chefs d'entreprise, on se réunit et qu'on fait un tour de table, quel que soit le secteur d'activité, assez paradoxalement, la seule préoccupation qu'on a, c'est qu'on ne trouve pas de salariés à pourvoir pour nos emplois. Donc il y a même du ridicule là derrière. Donc mettons-nous vite en marche, mettons en marche les systèmes de formation pour que la formation, ça ne soit plus un puits sans fond. Dans l'esprit des gens,
même quand nous on reçoit nos salariés, on a l'impression que c'est un puits sans fond, mais il faut, et c'est une nécessité, former nos salariés à la mobilité, former nos salariés au numérique. Je prends l'exemple du BTP aujourd'hui, former nos salariés à ce que va être la révolution numérique par le biais du BIM dans nos métiers, quels que soient nos métiers. Je prends l'urgence de mettre en place des outils qui sont aujourd'hui, qui échappent à la Corse. Action Logement aujourd'hui n'est pas en Corse, n'est pas installé en Corse. Comment aujourd'hui, avec ces boîtes à outils qui sont à notre disposition, on ne peut pas disposer d'un Action Logement en Corse? Alors donc, c'est notre travail, on est en train d'y réfléchir. Aujourd'hui, on dépend de PACA Corse, et je n'ai rien contre nos amis de PACA, mais il est nécessaire que nous récupérions ces outils en intra, c'est-à-dire sur l'île, et que nous soyons, nous, partenaires sociaux, aux manettes de ces outils. Je n'ai encore rien contre le politique, et je vis avec quelqu'un qui fait de la politique. Mais j'explique tous les jours que c'est nous qui sommes la réalité du terrain. C'est nous qui employons, c'est nous qui risquons, avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur sans salarié, il n'y a pas de salarié sans entreprise. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir des dogmes et être constructif. Mais très vite, parce que l'économie, ça va à la vitesse du numérique et plus à la vitesse de la vapeur. Donc il y a une vraie responsabilité que je pense nous devons assumer ensemble, et vous savez que vous pouvez compter sur nous. Eh bien voilà, ce débat est maintenant terminé. Merci beaucoup Serge Santonian d'y avoir participé. Mes deux confrères vont maintenant regagner leur siège et entamer cette troisième partie avec le débriefing. Et comme à l'accoutumée, c'est Roger qui s'y colle. Très bien. Alors c'est moins un jugement de la prestation de M. Ducreux qu'une réflexion sur la difficulté à être syndicaliste ou à faire du syndicalisme en Corse. Parce que je pense qu'il y a deux fronts. Il y a le front de l'entreprise privée avec des seuils qui sont très bas. Hein. Une majorité d'entreprises au-dessous de 10 salariés, des 24 000 entreprises de Corse au-dessous des salariés. Comment faire exister un dialogue social, mettre en œuvre un rapport salarié-employeur dans ce contexte-là, ça me paraît compliqué. Mais je pense qu'il y a un deuxième front et qui est un front qui celui de l'emploi public, dont on sait le poids qu'il pèse dans l'île, et qui est peut-être le front qui va s'ouvrir pour les 5 années qui viennent. Parce que dans le débat de la présidentielle aujourd'hui, il y a une grande question, supprimer des fonctionnaires, hein, 500 000 pour certains, moins pour d'autres. – Des postes en tout cas. – Des postes donc, c'est un enjeu important. Ça ne peut pas être sans impact dans l'île demain, quel que soit celui qui est élu. Et je me dis que là, vu vos positions, on a parlé tout à l'heure de l'hôpital, mais on a parlé également de la collectivité unique à 5000 salariés. Et on sait que les candidats aujourd'hui pensent faire peser le poids également sur la fonction publique territoriale. Je me dis que vu vos positions aujourd'hui, qui sont pas forcément des positions assez figées sur l'emploi public, hein, dans les secteurs importants, et justement sans doute et légitimement la santé, la sécurité, la justice et autres, il y a des débats qui sont tout à fait légitimes. Je me dis que là, il va y avoir des frottements importants pour les syndicats, pour la CFDT en particulier, avec l'ECTA et peut-être même au sein même des collectivités, parce que c'est vrai que cette collectivité unique à 5000 salariés, si on doit faire peser un effort de réduction de postes sur ce secteur-là, je pense que ça ne se fera pas demain sans crispation et sans conflit. Patrick ? Alors moi, je vais m'arrêter davantage sur la prestation. Louis Ducreux, ce contraste est une première pour vous. L'exercice n'est pas facile. Alors bien sûr, forcément, tout n'a pas été parfait ou n'est pas parfait. Vous avez été d'ailleurs plus à l'aise avec votre contradicteur Serge Santonian qu'avec les journalistes. Parce qu'avec nous, vous avez été parfois un peu confus, un peu trop confus, voire brouillon. Je parle de la forme. J'ai eu parfois du mal à comprendre vos positions, celles de votre syndicat, sur les travailleurs détachés notamment, ou sur la formation. Il faut dire que c'est un peu à l'image de la CFDT, qui est toujours dans un entre-deux. Sur le fond, votre syndicat est un syndicat réformiste, de dialogue. C'est revendiqué, c'est sa marque de fabrique, à l'inverse de la CGT et de FO, beaucoup plus contestataire. Ça a marché au plan national, hein, puisque c'est historique. Hein, depuis 1895, me semble-t-il, et la création de la CGT, vous êtes devenue la première organisation syndicale de France. En revanche... Dans le privé, effectivement, dans le public, c'est toujours la CGT. En revanche, en Corse, la CFDT a davantage de difficultés à s'affirmer. Vous êtes le quatrième syndicat. En tant que leader de ce syndicat, vous avez forcément des responsabilités. On ne vous entend pas assez ou mal.
vous n'êtes pas suffisamment présent sur le terrain. Et aussi, je l'avais dit lors du débat, on a du mal parfois à distinguer vos positions, votre positionnement du STC. Donc il faut montrer votre différence et je pense que c'est le défi que vous avez à relever. – Alors syndicat entre deux, vous pouvez répondre. – Syndicat entre deux, être proche du STC, je vous ai dit non. Nous avons nos valeurs. – Je parle de positionnement. – Oui, non, mais c'est un syndicat qui s'est créé… – L'illustration de la concisation, voilà. – Non, mais c'est un syndicat qui s'est créé après nous, qui est venu sur… sur une partie de nos revendications. – Mais après lui, vous avez ajouté à votre nom CFDT Corsica. CFDT Corsica, je crois qu'elle y était dès le départ. Je n'y étais pas au départ, je ne peux pas vous dire. Mais je pense qu'à la CFDT, de toute façon, Corsica… On l'a. Non, on l'a dans nos gènes, puisque la CFDT, comme vous le savez, a été aussi le premier syndicat à revendiquer la langue et culture corse. Vous le savez, vous avez bien connu des gens comme Antoine Mariotti, et compagnie, et Dominique Ottavi, qui étaient les fers de lance de la culture, de la langue et de la culture corse au sein de leur syndicat, du syndicat du SGEN et de la CFDT, parce que le SGEN fait partie de la CFDT. Je pense que on n'est pas entre deux, on n'est pas là. Peut-être vous nous entendez moins parce que peut-être vous nous invitez moins. D'ailleurs, je vous remercie de nous inviter. Là, ça devait faire 4 ans ou 5 ans qu'on n'avait pas participé. Gérard Montreuil était venu ici, le précédent secrétaire général. En 2012, je crois. Donc ça fait quand même quelques années. Et en même temps, vous êtes le 4e syndicat de Corse. Oui, mais avant ça, on n'était pas le 4e, on était le 3e. Et on n'a pas eu d'invitation plus que ça. C'est la faute aux médias si vous n'êtes non, pas. Non, c'est pas la faute aux médias. Mais si, pour passer dans les médias aussi, il faut être invité. On vous invite souvent sur des conférences de presse. Nous avons nos positions. Peut-être qu'aujourd'hui, elles passent. On les véhicule, nos positions. Peut-être qu'elles passent pas suffisamment. J'en doute, mais je pense que nous avons toute notre place au sein de cette région. De notre personne ne la remet en cause, hein, je vous rassure. Hein. Alors il nous reste quelques minutes d'émission, comme je l'avais dit au début, nous allons parler quelques mots des présidentielles avec le scrutin qui s'annonce. Alors en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose de cette élection? Dans un truc, c'est que les gens aient voté et qu'ils essaient de ne pas voter Marine Le Pen, le Front National. – Voilà, justement, vous prenez position. – Ah oui, oui, oui. – La CFDT prendra position au deuxième tour ?– Non, elle prend une position, la position elle est depuis très longtemps. – Dès le premier tour. – C'est le Front National. Le Front National n'est pas un parti politique, c'est un mouvement xénophobe. – Et paradoxalement, c'est un parti qui attire les ouvriers. C'est les enquêtes d'opinion qui le disent. Très majoritairement, les ouvriers votent pour Marine Le Pen. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment syndiqués à la CFDT. Mais ça, c'est une boutade, mais ça, il y a un problème de fond. Oui, il y a un problème de fond. Quand j'entends, moi, des maires, des élus, des maires, dans du rural, hein, qui disent « Ah, rien n'a marché », eh bien, on donne notre voix à Marine Le Pen. Je tombe des nues, parce que rien n'a marché. Je veux dire, c'est à eux aussi à faire des propositions. C'est à tout le monde. Donc, on ne peut pas dire on vote Marine Le Pen, parce qu'il y avait un petit slogan qui était pas mal. Je ne sais pas si je peux le dire, parce que c'est un peu hard à la fin. Je n'aime ni la viande, ni le poisson. Je ne mange ni viande ni poisson, dois-je manger de l'art, hein. Ouais. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, la CFDT, pour être un peu plus sérieux, c'est sérieux de dire qu'on communique là-dessus, tout sauf le Front National. – Est-ce qu'on peut dire que la CFDT est proche du Parti Socialiste comme elle a souvent été ?– La CFDT aujourd'hui… – De la gauche, généralement.
Non, on peut pas, dire. La CFDT s'adapte à la personne qui est en face. C'est-à-dire, elle discute quand il y a un gouvernement de gauche, discute avec les ministres de gauche. Quand c'est un gouvernement de droite, va discuter avec des élus, des ministres de droite. La CFDT a des valeurs, a des principes et essaye de... – Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose de cette élection ?– Nous attendons qu'on prenne en compte... vous savez, on a fait au niveau de la CFDT un questionnaire. C'est ce que fait toujours la CFDT, hein, quelles que soient les élections, un questionnaire vers les candidats. On a adressé 35 questions aux candidats de l'élection présidentielle, que ce soit le social, le travail, le mieux vivre ensemble. Voilà, on veut des réponses sur tout ça et on les fera passer à nos militants. – Mais pas de consigne de vote en dehors on a, de fait. – On ne donne pas de consigne de vote. Nous, aujourd'hui, on pense que nous sommes dans un pays où on doit continuer à construire. On ne doit pas casser, on doit construire. On pense que, à la limite... Dans un cadre européen aussi Dans un cadre européen. Vous savez, la CFDT est profondément européenne. Elle adhère à la Confédération européenne des syndicats. Donc, ça dit tout sur ces valeurs européennes. – Alors juste, très très vite, une dernière question. Si on en juge par les enquêtes du CEVIPOF, par exemple, les organisations syndicales sont aussi peu crédibles aujourd'hui pour l'opinion que les partis politiques et même les médias. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. L'avenir du syndicalisme dans ces conditions ?– Vous savez, la CFDT, elle a 800 000 adhérents. 800 000 adhérents, c'est plus que tout parti réuni, tout parti politique réuni. Je pense que vous avez la réponse. – Eh bien, Louis Ducreux, ce sera là votre dernier mot. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Patrick Roger. Merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec un nouvel invité. Ce sera Andrea Vazzi, politologue et universitaire. Je ne vous dis même pas de quoi il sera question. Ce serait vous faire injure. Intanto, buona settimana, buona serata.